Alors, bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Et je vous donne dans cette fin de série, cinquième expérience de ma vie personnelle. Alors, les questions que j'ai eues, c'est quoi? C'est pourquoi tu es devenu coach? Pourquoi tu aides les gens? Pourquoi? Alors, voici l'expérience, parce que j'ai vu beaucoup trop de personnes avec des talents, avec des potentialités énormes, mourir avec ça, se plaindre avec ça. Vous savez, il y a beaucoup trop de personnes avec des talents, beaucoup trop de personnes avec des capacités énormes, mais qui ne font rien avec, qui ne font absolument rien. Et si tu fais partie de ces personnes, écoute cette vidéo très attentivement. Il est inadmissible pour toi de ne rien faire. Il est inadmissible pour toi de seulement travailler, rentrer à la maison. Et tu n'es pas venu sur la terre seulement pour faire ça. En fait, c'est pour ça que je suis devenu coach, pour aider toutes ces personnes à pouvoir se surpasser. Figurez-vous que les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes. L'autre moitié, ils disent qu'ils sont trop vieux. À la fin de leur vie, ils n'ont rien fait. Les gens passent la moitié de leur vie à dire que je suis trop jeune pour faire ça, je suis trop jeune pour créer une entreprise, je suis trop jeune pour aller là, je suis trop jeune pour faire ceci. Après, je suis trop vieux pour retourner à l'école, je suis trop vieux pour reprendre cette formation, je suis trop vieux, etc. Puis à la fin de leur vie, ils n'ont rien fait. C'est pour ça que moi, mon objectif en tant que coach, c'est vraiment d'aider toutes ces personnes-là avec des potentiels. Tu es capable d'accomplir n'importe quoi, peu importe ce que tu veux, tu es capable de l'accomplir. Et ce, peu importe ce que la société peut dire, peu importe ce que tes camarades peuvent dire, peu importe ce que tes parents peuvent dire. D'ailleurs, ils n'ont même pas le mot à dire. Tu es capable de le faire. Et en voyant toutes ces personnes en train de souffrir, en train d'accuser la société. Alors ça c'est une bonne que j'ai eue. J'ai posé la question à quelqu'un, il m'a dit, écoute, non, c'est à cause de la société que je ne réussis pas. C'est à cause de mon président que je ne réussis pas. Un autre m'a dit, oh, c'est parce que mon voisin ne m'aime pas que je ne réussis pas. Et le plus bête dans l'histoire, c'est ce que j'ai entendu. Oh, c'est parce que le chien de mon voisin est malade que je ne réussis pas. C'est une blague là? Alors, c'est ça qui m'a poussé à être coach, en disant qu'écoute, tu as tellement de capacités en toi. Je disais encore dans la précédente vidéo, tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Alors, prends la décision de changer maintenant. Prends la décision de te lever. Lève-toi de la chaise où tu es. Lève-toi du canapé. Tu es en train de regarder à la télé du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors, lève-toi, fais quelque chose présentement. Prends la décision. Ne sois pas indécis. En fait, l'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas prendre de décision, c'est une décision. Alors, n'accuse personne d'autre. N'accuse pas la société, n'accuse personne. Et c'est pour ça que je coach, parce que je veux te motiver, parce que tu as trop de potentiel pour le laisser là où tu es. Alors, si tu es en train de m'écouter présentement, moi, présentement, mon rôle, c'est de te motiver. Mais ton rôle, c'est de passer à l'action, même si tu juges que tu n'es pas encore prêt. D'ailleurs, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est quand tu n'es pas prêt de faire quelque chose. Alors, ce que je te recommande présentement, c'est passer à l'action, peu importe ce que tu veux faire. Tu as envie d'ouvrir une entreprise, ouvre cette entreprise. Tu as envie d'ouvrir un restaurant, ouvre ce restaurant. Tu as envie de retourner à l'école, retourne à l'école, fais cette formation. Ne laisse pas que les années passent de même. La vérité, c'est quoi? C'est que le 10 ans, là, va arriver. 20 ans, ça va arriver. Mais la question est, toi, tu seras où quand 10 ans va arriver? Toi, tu seras où quand 20 ans va arriver? Alors, arrête d'accuser le monde entier et passe à l'action. C'est pour ça que je suis coach. Alors, je suis coach pour aider toutes ces personnes qui pensent que ils sont, je les appelle les victimes de la vie. Hein. Les victimes de la vie sont des personnes qui pensent que c'est toujours la faute des autres, mais c'est jamais notre faute. Alors, sache que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. En fait, la vie, c'est seulement 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis face à ce qui t'arrive. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des ennuis. En fait, si je te donne même mes problèmes, tu allais accepter, tu allais vouloir garder tes problèmes. Mais je le fais quand même malgré les problèmes, mais je le fais quand même malgré la peur. Alors, fais-le malgré la peur. C'est pour ça que je suis coach. Alors, c'était la cinquième expérience de ma vie personnelle. J'espère que vous avez apprécié ces cinq vidéos que je vous ai communiquées, que je vous ai partagées. On se voit donc dans une prochaine saison, dans une prochaine série où je partagerai d'autres contenus encore. Peace out.